Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Fallout 4, épisode 26, ça y est, on est arrivé à l'abri, je sais plus combien. Et donc on va s'y engouffrer pour Kate, voilà, pour notre amour. Alors juste avant de rentrer, je veux voir, qu'est-ce qu'on a là? Est-ce qu'on a des trucs ici? Oui, il y a des trucs. Très bien. Très très bien. Il n'y a rien d'autre, ok. Donc il me semble qu'il y a des méchants. Alors là, c'est ça, là. Très bien. On va y aller doucement. Ça, il y a un mec là. Oh, il est beau gosse. Boum. On lui a explosé sa tronche. Ok, je vais quand même faire gaffe si jamais il y a des pièges ou quoi. Ok. On est comment au niveau stockage là? Ah merde, j'ai déjà pris trop de merde. Mais si je vais me virer des trucs. Ça je m'en fous. Ah non, c'est pas ça que je veux faire, jeter. Ouais, c'est pas mal ça. Calibre 12. Cadence de tir 20. Par rapport à mon autre arme, ça fait quoi? Ouais, en fait, mon autre arme est mieux. Je me le vire. Laser, pistolet, je me le vire. La masse, je me vire. Ça aussi. Ça aussi. Cadence de tir, putain, elle est bien naze. Ça, c'est pas si mal. Et c'est pas très lourd. Donc ça, je garde. Hey, il est bien celui-là. Je le garde. Carabine de combat, donc ça c'est à moi, ça je garde. Et ça, ben ça je garde. Ok. Ok. Après, j'aurais pu les filer à ma meuf. Mais bon, c'est pas non plus des armes très passionnantes. Je vais reprendre ça. S'il me reste quelques cartouches. On peut rien faire là. Ok. Ok, là il y a rien à prendre. C'est le Steam Pack, une loupe. Ok. Ok, allons-y. Allons-y. C'est quoi déjà le nom de l'abri? 95. Oh, tu t'es téléporté à l'intérieur. Ah, elle a repris son fusil, elle a plus de munitions pour son truc. D'accord. Le truc, c'est que je sais pas quelle est la valeur de son fusil. Est-ce que c'est bien? Attention. Qu'est-ce que je pourrais lui filer sinon? En arme. Laser boosté, d'accord, 10 mm, est-ce que je pourrais lui filer 10 mm. Viseur laser. Ce mois-là, je vais filer quoi? Dégâts 26. Dégâts 30. On va essayer de lui filer un truc un peu plus costaud. Ça par contre j'ai plus de balles là. Ah, il y aurait... Ah ouais, mais j'ai plus de balles, j'ai plus de balles. Je n'ai plus de balles. Donc je vais lui filer celui-là. Ok, boum. Et je te file des munitions.
c'est où? Donc c'est des cellules à fusion. Voilà. Montre-moi ce que tu veux que je fasse et je m'y mets. Prudence. Zut. Faut que je dise de le porter. Moi qui croyais que tu voulais faire un gros câlin. Bah si tu veux. Ah merde. Zut. Il est où? Laser fusil. Ah mais non, mais de toute façon. Ah putain, je m'y perds là. Je m'y perds. Il est où? Putain, mais il est où le fusil là? Arme, laser, boost. Ah, c'est celui-là. Donc oui, tu t'équipes avec. Ah merde, je l'ai encore repris, mais putain, mais je suis trop naze. Arme. Équipé, voilà. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que ces nouvelles choses? Vas-y, petite sauvegarde. Petite sauvegarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça pue le piège pourri. Ok, très bien. Terminal, voyons voir. Qu'est-ce que vous nous racontez? Commande de tourelle. Tiens, on va désactiver les tourelles, ce sera pas mal. Comme ça, on sera moins emmerdé au cas où. Tiens, les mantas, ça vaut du fric, ça, je crois. C'est quoi ces trucs? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Col miracle, j'oublie. Il y a des pièges mais partout. Hein? Wow, 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 wow. Oh, il y a plein de mecs. Bah on va la voir dans le dos. Bim. Voilà, je pense qu'on les a avertis de notre présence. Allez, les gars, il va... Ah merde, ils ont un Undy. Bah vas-y, 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 direct. Putain, toujours vivant. J'arrive pas à le buter. Ok, très bien. Et non, tu me fais du mal. Vas-y, la balle de la victoire. Super, c'était pas la balle de la victoire. Ah merde! Je t'ai fait du mal là. Alors le buste, je crois que ça, il prend cher dans le buste. Ah merde. Ah putain, il m'a bloqué. Boum. Saleté. Allez, je prends les trucs. Et encore un petit coup de steampack. On a réveillé la ruche là. Boum. Dans la gorge. Qu'est-ce qu'il fait là-haut? Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un mec qui fait le con. Oui, il y a un mec qui fait... Il va se tuer. Il faut pas lui donner des armes à lui. Ah merde. Il y a combien de cocktails Molotov lui? Il est où?
Casque militaire, ok. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ici? Vas-y, on va se sortir de là. Là, je te vois. Boum. Là, on les baisse tous, là. Ok, ok, ok. Très bien. Ok. Non. Elle, j'ai pris. J'ai pris, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Plaque chauffante. Tiens, je vais prendre ça. Ok. Alors, où est-ce qu'on va? Elle se balade, hein, tranquille. Tout va bien. Y a plus personne, ouais. En haut, tiens, je vais aller voir en haut. Voyons voir. Ok. Cendrier, non, ça je m'en fous. Là, y a rien. Là, y a rien. Là, y a rien. Ok, on va voir. Montons pour voir. Parce qu'à mon avis, de toute façon, il faudra descendre. C'est quoi, c'est un ascenseur, ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La réunion de groupe dans le bureau du superviseur, apparemment. Raconter ses petits problèmes devant tout le monde comme ça. Bonjour l'angoisse. Mais je piche pas, les mecs ils sont morts assis comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on est mort aussi, voilà. On s'est laissé mourir en buvant du café. Ok, très bien, très bien, très bien, très très bien. Tasse à café propre. Pousse-toi, tu vas pas que tu me gênes. Pousse-toi, putain, putain, pousse-toi. Mais putain! Terminal du superviseur. Alors, le superviseur de l'abri 95 est un individu élu pour organiser les réunions quotidiennes et s'assurer que les autres résidents suivent scrupuleusement les règlements du programme de désintoxication de Voltec. Il ne s'agit en rien d'un poste de pouvoir, mais plutôt de soutien et de service. Il convient de régler toute infraction à l'aide de méthodes de renforcement positif et d'encouragement. Les résidents de l'abri 95 constituent une grande famille et partagent la même vie. Le poste de superviseur ne doit aucunement les empêcher de poursuivre dans leur voie personnelle. Une élection se tiendra tous les ans, le 30 octobre. Les résidents sont encouragés à faire leur choix en fonction de points de mérite, comme indiqué dans les instructions du programme. D'accord. Alors, le résident Michael exprimait son souhait de réduire la fréquence des réunions. Nanana. Je survole, hein, parce que si c'est pas intéressant, ça sert à rien. D'accord, ok. Ok. L'aide des installations. Ah, déverrouillage de la porte de l'aile. Ah, c'est bien ça. Ok, très bien. Très très bien. Poche de perfusion. Ok. Pourquoi t'as crié? Qu'est-ce qui est arrivé? Ok, donc là il y a rien, il y a pas de porte là, c'est pas une porte ça. Ok. L'arme à la main. Donc là on a tout vu. Ensuite qu'est-ce que nous avons ici? Des cartouches. Ah de way, ah, très bien. Steam pack, très bien. Ah oui, c'est la salle de bain, oui. D'accord. Allez, pousse-toi. Ok, donc ici, tout ça c'est vu. Voyons voir ce qu'il y a ici. Ouais, c'est niveau maître, je peux rien en faire. Y a rien. Y a un mec là. Oh, y a des mecs. Bonjour.
On est tous avec des lunettes de soleil. Oh la vache! Ah merde. Qu'est-ce qui se passe là? Qui a jeté ça? Qui fait le con? Ok. Là, je te vois là. Tiens, je vais te looter sur ta tête. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu crois faire, toi? Eh, mais c'est qui m'a fait mal, ce fils de pute? Il reste quelqu'un ici, là? Non? C'est à l'étage. Quoi, il y a plein... Là, c'est le labyrinthe, là. Uniforme, merde, pourquoi j'ai pris ça, moi? Pourquoi j'ai pris ça? Je panique. Est-ce qu'on a là? Abraxo, d'accord. Ok, la musique, faut vraiment qu'elle se calme. Hein. Musique. Là, voilà. Casse les oreilles. Je vais faire une sauvegarde rapide. Voilà. Casse les oreilles. Alors, ils sont là-dedans. Oui, vas-y. Ah, ce sont tous des junkies. Sert à rien. Ah merde, y'en a un en dessous là. D'où t'es descendu toi? Commencez à peine à se marrer. On va voir ce qu'il a sur lui. Ok, bon, on a la tête de mort, ok. Là, on est pas mal, hein. On meurt pas trop et on en tue plein. Surtout les laserotrons, là. Ok, il y a deux mecs par là-bas. On se récupère des steampacks, ça c'est cool. Livre brûlé, rien à foutre. Alors, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Là, il y a. C'est de la fusion, ok. Ok. Ah ouais, c'est ma meuf qui l'a complètement carbonisé, ouais, d'accord. C'est très bien. Et c'est très bien. Voilà, elle est très utile. Ça je prends. Ça je prends. Oh, y a quoi là? Manta. Il y avait des mecs là qui étaient pas loin. C'est un putain, une putain de tourelle. Saloperie. Ah putain, elle est là. Ok. Ok, et je crois qu'il y a un mec derrière qui est pas content. On va le laisser s'exciter. C'est quoi ça? Cartouche. Ok. Donc ça, je déverrouille. Super. Ouais. Ah, très bien. C'est bien le scotch. Qu'est-ce qu'on a là? Dossier, je vais les prendre, je vais peut-être regarder si on peut pas les lire, s'il n'y a pas des informations. Cruche en verre, ciseaux chirurgicales.
Ok. Rien de... Ah, c'est quoi ça? Psycho, d'accord. Ouais, c'est ce que prend notre meuf. Ok, donc on vend... Quoique là, il y a quoi, là? J'ai pas des... J'ai pas de poussière, un truc, là. Il y avait pas des trucs à récupérer, non, je ne sais pas. Terminal du centre... Ah, mais c'est... D'accord. Donc c'est là qu'il faut que j'amène ma meuf. D'accord. Ouvrez la porte, tout simplement. S'il vous plaît. Voilà. Ok, ça direct. Ok, je vois le mec. Et c'est un boss, tout va bien, hein, avec des cocktails Molotov. Là. Boum. Oh putain, il a pris cher. Oh oh oh. Ah, la matrice. Ah merde, ma meuf. Alors qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Un plastron en cuir, très bien. Ouais, mais alors comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Medix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, elle a l'air d'y aller directement. La réponse à tous mes problèmes est dans cette salle. Mais je sais plus trop si je dois y aller ou pas. Tu as envie d'aller mieux? Je sais pas. Mon corps me dit d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette merde. Et je me demande, et si le psycho était le seul truc qui me permet encore de tenir? Si jamais ça m'ouvre les yeux d'un seul coup, j'ai peur de pas aimer ce que je vois. Si je me défonçais, c'était pour oublier tous les trucs que je voulais pas admettre. Tous les souvenirs horribles. Je préfère encore cracher du sang que revivre mon passé merdique. Oh. Je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas perdre une amie. Je te manquerai vraiment. Hein? Alors je vais pas te décevoir. On a réussi. Dans le fauteuil. Dès que t'es en place, appuie sur le bouton. Eh ben voilà. Attendez que Kate s'installe sur la chaise. Je vais faire une sauvegarde. Sait-on jamais? Courage, sois forte! Soigner la dépendance de Kate. Je suppose qu'il faut que je fasse ça. Commencer la purge de toxines. Ça y est, c'est parti là. Oh la vache. Je vais lui parler. Ah non, cette personne est occupée. Oh la vache. Parler à Kate. Putain. C'est excitant. Reste là. Tout va bien, Kate? Comment tu te sens? Bizarre. Je me sens... bizarre. Tout a l'air différent. Tu vas voir qu'elle va faire une syncope. J'avais enlevé un voile de devant les yeux. Les couleurs, les sons, les odeurs, tout est différent. Mais attends, le marché, mais... putain. Le manque, la douleur, merde, même l'envie de prendre ma dose, tout a disparu. J'étais HS à ce point. Plus de douleur? Est-ce que la douleur a disparu? Je dirais pas que je suis en pleine forme, mais c'est plus pareil. La sensation de malaise... la douleur, c'est passé d'insoutenable à léger. Je sais pas, peut-être que c'était dans ma tête finalement. Enfin, peu importe. Je me suis pas senti aussi bien depuis une éternité. Heureusement que c'est fini. Enfin. Comme tu dis, enfin. Quelque chose me dit que Tommy avait prévu ce coup depuis le départ. Ce vieux salopard m'a viré de la fosse pour que je devienne clean. Et il a compris tout de suite que tu pourrais m'aider. Il a dû voir un truc chez toi qui m'a échappé. Comme quoi?
Comme quoi. Tu le sais très bien. Ça y est, on passe en mode séduction. J'oublierai jamais ce que t'as fait pour moi aujourd'hui. T'étais là pour moi, et contrairement au reste du monde, tu m'as jamais laissé tomber. Je suis vraiment pas douée pour les remerciements. Alors faudra te contenter de ça. Maintenant que c'est fait, on n'a plus qu'à se casser d'ici et oublier définitivement cet endroit. Eh ben voilà, nous avons réussi. Eh très bien. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à prendre ? Poche de sang, oui, c'est bien ça. Plateau chirurgical. Et nous, on peut pas s'asseoir ? On peut pas tester le truc ? Ok, très bien. Oh, elle s'est allumée une clope, eh ! Ah mais merde, elle vient de l'éteindre. Oh putain ! Elle est au taquet. Ça y est, là, ça y est, on la sent plus. Alors, un réveil. Une mine à capsule. Un dossier. Voyons voir les dossiers, tiens. Est-ce que ça se lit ? C'est où divers, clés, nanana, clés. Putain, j'ai des tonnes de clés. Dossier. Ah, j'ai pris un niveau, je ne le pense plus. Alors, soit j'augmente la force, ce qui m'intéresserait. Soit le niveau maître, là, de... Ah ouais, mais il y avait Fana d'armes. Putain, il y a tellement de choses aussi, les mecs. Vous pouvez pas nous filer deux niveaux à chaque fois d'un coup, deux étoiles, là. Il y a trop de trucs. Ok. Faut pas gâcher, nanana, recycleur. Putain, en fait, c'est vachement intéressant. Alors, c'est où, maître ? C'est où ? Alors, il y a là. Terminaux de niveau maître qui pourrait m'intéresser. Et puis, il y a. Il y a crochetage, c'est où ? Putain, mais je suis aveugle. C'est où, crochetage, bordel ? Ah, c'est là. Je peux le prendre. Donc, je le prends. Ah là, putain. Ok, très bien. Donc ça, finalement, je peux jeter, en fait. Ça sert à rien. Voilà. Ok, donc nous avons réussi la mission. Voyons voir quelle va être notre prochaine quête. Problème de pillage. Tuer les super mutants. Putain, il y en a plein. On a rien fait, quoi. Divers. Tiens, ben on va faire ça. Voilà, je sais pas ce que c'est. On va faire ça. On va prendre le temps de faire les trucs tranquillement. Voilà, il y en a tellement à faire. Ce jeu va nous faire mes 500 épisodes. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je le sais. Et 15 000 quêtes. Et je pense qu'on a fait que 10% là. Alors. Surtout qu'ici on n'a pas tout vu quoi. Ici on a. Il reste plein de choses à voir. Tiens, du scotch, ça c'est bien. Épingle à cheveux, ça c'est bien aussi. Là, il y a un microscope, je vais le prendre, on sait jamais. Ok, là, il n'y a rien. Ok, là, on revient là où on était tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis allé voir ce qu'il y avait là ? Je ne pense pas. Il y a juste ça. Cartouche, très bien. Le frigo. Eau purifiée, c'est bien ça. Ok, je pense que... Planche est découpée, non, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Alors, on est venu de par là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là-bas, il y a une porte, tiens. Voyons voir ce qu'il y a là-bas. Hop.
D'accord, j'ai foncé tête baissée. Faut que je fasse gaffe, putain. J'avais oublié qu'il y avait des pièges. Bordel. Bon, il y a forcément d'autres mecs. Là. Arrête de jouer à cache-cache. Tiens, on va le buter avant qu'il nous frappe. Moi, signe si tu trouves des munitions. Ouais, quoi, t'en as plus ? T'es où ? Si, t'as encore ton laser. Terminal. Tiens, voyons voir si elle peut déverrouiller les terminaux. Prudence. Tu veux quoi ? Prudence ? Ah non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux voir si elle peut les déverrouiller. Examiner bureau. Prenez tout ce qui pourrait être utile. No problemo. Ah, je peux lui dire de ramasser les trucs. Allez voir ce que c'est. Peut pas. Ah, elle peut pas, d'accord. Et elle se casse. Putain, mais c'est une méchanceté. Tu pourras au moins essayer. Ok, ok. Ça, c'est toujours un peu relou à faire. Super. Super. Ouais. Oh putain. vos ordres. Que tous les habitants suivent scrupuleusement le programme de désintoxication. Ok. Vous avez le compartiment secret qu'on vous a montré pendant votre entraînement. Il y a un compartiment secret. Depuis que les résidents et moi-même nous sommes installés dans le problème des était correct. Tout individu est capable de s'adapter quand il est confronté à une absence totale d'alternative. La cachette de... Ah oui, il y a une cachette de drogue, d'accord, mais on s'en fout. Pas de mal de jeter un œil. J'aime les ordures. Ok, donc on vient de là, ok. Ça c'est bien. Boîte d'épingles à cheveux. Très bien. Ouh, j'aime pas ce son, ça pue le... Ça pue le... la tourelle. Mikachiri. Psycho. Il y a un jet là. Ok. Plaque chauffante. Jet. Putain, mais ce sont tous des drogués. Là, il y a un flingue. Mais pas très intéressant. Et les water. On ne peut pas les utiliser. Et nous n'avons jamais envie. Ça, c'est quoi, bouteille de vodka? Seau en émail, ok. Je sais pas si ça nous intéresse, les seaux en émail. Scotch. Un sweat. C'est con, putain, il se droguait dans les toilettes et il est mort. Et on l'a laissé mourir. Steampack, très bien. Et ça, c'est quoi ça? Medix, d'accord. Ok, donc là, c'est tout vu. C'est tout vu. Là! Saloperie. Là, il y a des mecs. Putain de drogué. Zut.
Putain, ils sont tous des lasers, ces enfoirés. Ah merde, c'est un boss. Et je fonce tête baissée, moi. Zut, loupé. Saloperie de boss, hein. Voilà. On n'en parle plus. Très bien, très bien, très bien. Et j'ai vu ça, là. Une petite figurine toute mignonne. Figurine arme lourde. Voilà. C'est bon, ça. Impeccable. Le meilleur moyen d'avoir le dernier mot, c'est de parler plus fort que l'autre. Les dégâts critiques augmentent de 25% pour toutes les armes lourdes. Bonus permanent. Impeccable. Y a rien, y a rien. Oh papa, y a plein de trucs là. Bidon en aluminium, ça c'est bon aussi ça. Boum. C'est bon. Cartouche en plasma, ok, très bien. Kate a aimé. Elle adore à chaque fois qu'on fait des petits méfaits. Donc terminal privé, on va voir ce qu'il y a dedans. Journal 1. L'abri était censé être sûr, un endroit où la désintoxication était forcément possible. Nanana, était trop belle. Et puis c'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Il savait ce qu'il faisait. Il n'essayait pas de nous aider. Je n'aurais jamais cru que je verrais de la drogue. Pourquoi j'en aurais revu? Mais on s'est retrouvé là avec devant nous de quoi planer toute une vie. Comme un étalage de supermarché garni à bloc. Et dire que ça a toujours été là. Ok. Je préfère me cacher. J'entends encore des coups de feu. Ok. J'aurais que si je revoyais un jour. Si j'en revoyais un jour, il n'aurait plus cet ascendant sur moi. Mais j'avais tort. Il me faut toute ma volonté. Ok. Je n'en peux plus. Je n'ai aucune raison de rester sobre et sautant de bordel. Nanana, et se faire foutre. Ok. Ok. Bon, très bien. Très très bien. Qu'est-ce qu'on a là? Cartouche, ok. Ok, je pense qu'on a tout pris là. Bon, c'était bien cette petite figurine là. Capsule, cellule à fusion. Ok, j'avais pas pris sur elle. Ok, là y a rien. Là y a une porte. Merde. Boum. Génial. Ok, très bien. Putain, capsule. Faut laisser les prendre une par une. Pourquoi tu ramasses ce truc? Bah, je sais pas. Je le recycle, écoute. Boîte d'épingle à cheveux, très bien. Petit nounours, ventilateur, jet. Là, il y a un petit camion. Robe rouge. Ok. Donc là, on a tout vu, là. Là, on a tout vu. C'est quoi, ça? Jungle, le singe lunaire. Je vais prendre. Ok, là y a rien. J'ai envie de dormir là-dessus. Ok. Alors ensuite, descendons pour voir. J'ai pas vu ce qu'il y avait là. Ça c'est très bien. Ah non, je suis déjà surchargé, merde. Bon bah je vais lui filer des trucs. Ouais non. Qu'est-ce que j'ai qui m'emmerde? Zut. Trier par poids. Ça en même temps c'est pas lourd.
Ça fait zéro poids, ça, les munitions. Microscope. Bon, je me le vire. Merde, jeter. Scanner biométrique. Ventilateur de bureau. Ok, après tout ça, ça fait pas non plus des poids de ouf. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. C'est aussi. Ça, je garde. Donc, ok. Donc, dans divers. Crochet, ouais, je m'en fous de ça. Donc, ça fait poids de zéro, ok. Soin. En fait, ça me casse les couilles, en fait. Ça me sert à rien, ça. Ça fait poids de 1. Je leur souhaite bonne chance pour, vous savez. Ça, je m'en fous aussi, à l'arrière. On dirait aussi que les miliciens ont participé d'une manière ou d'une autre. Je croyais qu'ils étaient finis. Ouais, tout ça, je m'en fous. Mais je me trompais, apparemment. Alors, tant mieux pour. Qu'est-ce qu'en métal ? Qu'est-ce que militaire sale? Mighty man. Ça, je m'en fous. Brassard droit d'armure. Ça, je m'en fous. Ça aussi. Ok, le reste je garde. Et les armes. Ok, les mines. Poids, c'est pas énorme. Ok, on est bien. Faut que j'arrête de prendre de la merde là. Qu'est-ce que nous avons là? Putain, ça descend encore. Ça descend encore. Écoutez, je pense que je vais finir au prochain épisode. Voilà, cet abri, puis après on se barre. Voilà, on va en rester là pour cet épisode. Kyle, les petits amis, déjà on a sauvé Kate. C'était notre but. Prochaine étape, la serrer. Allez, les bisous, à la prochaine. Ciao.